Ce seront des tranches de vie, témoignages irrécusables de la vérité, les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Bah, c'est une fête comme une fête populaire, c'est qu'il faut y aller parce que c'est vraiment beau à voir et puis on fait plein de rencontres et c'est génial. Mais voici qu'une rumeur se produit dans la foule. Voici que des gens se lèvent. Voici que dans la grande tribune, il y a des soleils. C'est un besoin, quoi. C'est un besoin comme quelqu'un qui a besoin de fumer ou... je sais pas si je peux employer le mot, mais une jouissance, quoi. Quelque part, ça vient de l'intérieur, hein. Ma femme peut me parler, je l'entends pas. Quand j'étais enfant, puis adolescent, et que je montais sur un vélo, j'étais, face au vent, Jacques Anquetil. C'est plus bien, parce que le vélo, ça fait du bien quand on roule. À l'image utopique d'un monde qui cherche obstinément à se réconcilier par le spectacle d'une clarté totale des rapports entre l'homme, les hommes et la nature. Les hommes, les femmes, les grands-mères, les grands-pères, tout le monde est là. Et on oublie, et ben pendant le passage du tour, on oublie un petit peu les soucis du quotidien. Moi, le moins Saint-Clair, j'arrivais pas à le faire en scooter. Une fois en vélo. Comprends qu'il faut de sacrées qualités pour y arriver. C'est une occasion tellement unique de voir en même temps, de toucher en même temps l'attention de millions de Français que c'est là, il y a le grand déchaînement publicitaire. C'est je pense, la plus belle épreuve des vélos. Une étape, mais exclusivement sur la scène. Ça peut être pas mal. C'est un moment qui unit le peuple. La leçon tous les ans renouvelée et qui manifeste que la France est vivante et que le Tour est bien le Tour de France. Toujours.